Mes chers amis, bonjour. Quatrième vidéo de la série « Attention à la grève du 17 novembre. Attention à la manipulation. Ne vous laissez pas mener par le bout du nez. » Après avoir décodé dans les trois précédentes vidéos l'incitation à la mobilisation des médias, CNews, LCI et BFM TV, je vous invite dans cette quatrième vidéo à une réflexion simple, à réfléchir par vous-même, une réflexion très très simple, de la pure logique, de l'intuition. Normalement, les moutons les plus récalcitrants devraient commencer à se poser des questions à la fin de cet argument. Comme je l'ai déjà expliqué, Internet et les réseaux sociaux sont une formidable avancée pour nos libertés, pour la recherche de la vérité, pour le savoir, mais aussi, attention, un magnifique moyen d'injection de rumeurs. Non pas les rumeurs individuelles de voisinage, mais les rumeurs gouvernementales, des rumeurs d'organisation, de groupes de réflexion, de think tanks, de sociétés secrètes, de services de renseignement, de médias, entre autres vidéos et documents, pétitions, groupes Facebook, vidéos, appels à la grève en tout genre. Il y a encore ce document qui vient d'apparaître, envoyé soi-disant par Macron au procureur de la République. On voudrait faire apparaître Macron très inquiet et réclamant du procureur un usage musclé de la force, mais après un rapide examen, ce document comporte des fautes d'orthographe grossières. J'en profite au passage pour saluer le mouvement des ambulanciers qui ne s'est pas laissé dicter les dates de son blocage, la date de début de sa grève. Parce qu'il y a mille raisons pour bloquer, il y a mille raisons pour faire grève, il y a mille raisons pour boycotter les magasins et la consommation, il y a mille raisons pour manifester. Mais la faiblesse de cette manipulation, que je n'arrête pas de dénoncer, c'est la date, le 17 novembre. Cette date fixée permet à Macron et au gouvernement de prendre du recul, de piloter en coulisses, et non pas parce qu'il avait besoin de vacances. Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes au milieu d'une guéguerre entre élites, des pressions de lobbies, d'oligarques et des vengeances de la gauche et d'adversaires à qui la justice a mis la pression dernièrement par des saisies, par des mises en cause, par des perquisitions. Mais le plus important, et je vais finir là-dessus, concernant le piège de la date, la fabrication du 17 novembre, la manipulation autour du choix de la date, c'est que depuis l'orchestration de ce soi-disant mouvement spontané, de très rares personnes sont au courant que le 11 novembre, il y aura plus de 60 chefs d'État sur Paris, dont les grands de ce monde, et non des moindres, des poids lourds, Trump, Poutine, Netanyahou, Merkel, avec des rencontres croisées, ainsi que les commémorations du 13 novembre et l'inauguration de la première édition du Forum de Paris sur la paix, pendant lequel Merkel prononcera le discours d'ouverture en présence de Macron. Mais bizarrement, c'est bien le 17 novembre qui a été choisi, soit 4 jours après la guerre. Le pays sera bloqué pour les civils, mais pas pour les principaux protagonistes de ce monde. Pas pour les détenteurs de l'économie mondiale, les plus hauts décideurs de la planète, officiellement, qui pourront commémorer, discourir, s'afficher, remplir les médias, alors que le peuple a déjà réservé pour le week-end prochain, a déjà réservé pour le week-end d'après sa grève, son blocage. Alors que le peuple fera ses derniers préparatifs d'organisation, d'arrangements familiaux, de retouches sur les banderoles, les principaux responsables, officiels, de la planète Terre auront déjà quitté le territoire. Mes chers amis, si après autant d'arguments, de preuves, de sollicitations de vos neurones, au fil de ces quatre vidéos, vous comptez toujours reporter la colère au 17 novembre, vous continuerez à faire des partages et à passer le mot pour le 17 novembre, alors qu'il faut réagir bien avant, c'est que tous les complotistes et moi avons bien raison. Vous êtes sacrément bien endormis. Éveillez la masse contre toutes les méthodes sophistiquées de manipulation et à la pointe de la technique pour les lavages de cerveau, c'est un combat sur lequel la dissidence aura toujours plusieurs décennies de retard, et en réalité des siècles, et on remonte au début des complots, de toutes les sociétés secrètes. Mes amis, réveillez-vous, réfléchissez par vous-même, réveillez autour de vous, modifiez le slogan des médias, ne parlez plus de gasoil, parlez de revenus universels, parlez de santé, parlez d'éducation nationale, parlez de justice, parlez de placements abusifs, d'enfants, parlez d'éducation sexuelle, parlez d'explosion du suicide. Mais dès aujourd'hui, n'attendez pas la date gouvernementale, ne laissez pas nos maîtres choisir pour nous, ne laissez pas fixer le 17 comme date de départ, mais comme une date de continuité. Ne demandez pas des cacahuètes, ne vous laissez pas enfermer dans le gasoil. Demandons un revenu universel. Nous en avons les moyens, largement. Moins de gasoil, moins de plein, moins de voitures, moins d'encombrement, moins de stationnement, moins de tout, plus de vie, plus de confort, plus de dignité, plus de famille. Un revenu universel, dès aujourd'hui mes amis. Demandant un revenu universel. Dès que vous entendrez parler de l'essence, répondez revenu universel. Dès que vous entendez parler de gasoil, répondez que vous voulez mettre moins de plein. Répondez que ce que vous voulez, c'est un revenu universel. Répondez que vous ne voulez plus de fouet du tout, plutôt que de réclamer un fouet moins lent. Dissidence, solidarité, fraternité, jusqu'à la libération, mes amis. Vos ambulances, les gars, montez dans vos ambulances. N'ayons pas peur. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Jacqueline Moreau. Comment ça va? Bonsoir à tous. Eh bien, merci de me recevoir. 5 millions de vues à travers la France. Tu es devenue quasiment l'icône, en fait, du mouvement du 17 novembre. Tout ce qu'on avait dans la tête, hein. La vie chère et... Enfin, t'avais tout dit et c'est très bien. Certaines disent que telle personne a créé le mouvement. Non, personne n'a créé le mouvement. C'est une colère
qui a explosé au même moment, et différents Français des quatre coins de la France se sont mis en même temps à faire des coups de gueule, comme tu l'as si bien fait, sur les réseaux sociaux. Mon coup de gueule est tombé comme ça, et du coup, ce coup de gueule a canalisé toutes les forces qui étaient en train de se fédérer, tous les petits groupes qui étaient en train de se fédérer, ouais. Et donc du coup, eh bien, ça les a mis en branle tous en même temps. Et donc, ça a donné les 5 millions de vues et l'émulation qu'on connaît en ce moment. C'est comme ça. Voilà, ben, je pense que quand même quelqu'un a dû décider de cette date. Ce n'est pas moi, en tous les cas. J'étais même pas au courant qu'il y avait un truc de prévu le 17 novembre. C'est vrai novembre. Que la première vidéo, tu ne parlais pas du 17 novembre. En fait, tu étais en train de faire une sorte de compilation de ce qui n'allait pas. La hausse injustifiée du carburant, les taxes, les impôts. En fait, on tape les Français partout. Bah, c'est-à-dire que moi, ce qui a fait que j'ai fait la vidéo, ça a été les péages à l'entrée des grandes villes. Comme si on ne payait pas encore assez partout, il faut qu'on en donne partout, on nous rajoute les péages. Ouais, aujourd'hui, j'ai fait plus de 200 km en voiture pour aller travailler, on est obligé de prendre nos voitures. Exactement. Donc, on n'a pas le choix. Et quand quelqu'un me disait « mais qui t'oblige à changer ta voiture ?» Eh bien, ce qui va m'obliger à changer ma voiture, c'est que j'ai une voiture de 12 ans, et l'année prochaine, elle ne passera pas le contrôle technique. Donc l'année prochaine, on va me confisquer ma voiture. Si je n'ai pas les moyens d'en acheter une autre, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais déposer le bilan puisque j'ai une entreprise. Il faut arrêter. Et puis en plus, bien entendu, bah, le prix de... C'est-à-dire que tout est verrouillé pour qu'on ne puisse plus bouger. En nous confisquant les bagnoles, puisque de toute façon, moi j'ai vu le petit garagiste à côté de chez moi, l'autre jour on parlait de ça évidemment, il avait une petite Polo de 6 ans chez lui. Eh bien, cette petite Polo de 6 ans, j'estime pas que c'est une voiture à mettre à la casse. Ouais. Eh bien, elle allait partir à la casse parce qu'elle a un voyant qui restait allumé. Il ne trouvait pas d'où ça venait. Donc, on met à la poubelle. C'est voilà. Parce qu'en France, on est riche, on peut se permettre de mettre toutes les voitures à la poubelle. Parce que le gouvernement l'a décidé. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les Français n'ont pas d'argent pour changer leur voiture pour l'instant. Il fallait accompagner la mise en place de cette transition, mais certainement pas nous dire en 2 ans ils vont enlever la moitié des voitures. Donc, mais eux ils font quoi? Ils roulent en quoi? Hein, le pire c'est que la personne qui nous a imposé les 80 km/h sur la route, c'est quelqu'un qui n'a pas de voiture. Donc il n'est pas soumis aux conneries qu'ils nous imposent. Donc il faut arrêter les conneries. Ils ne savent. Comme je l'ai pas mal expliqué, le système fonctionne de manière indirecte, en propulsant des idiots utiles. Cette expression, les idiots utiles, remonte à Winston Churchill. La plupart du temps, pour que le contrôle mental et la manipulation soient presque parfaits, les idiots utiles mettent sur le coup de la chance et du hasard les aides extérieures soudaines, les mains invisibles qui arrangent le sort pour les aider. Que ce soit une exposition soudaine pour un livre, pour une chanson, pour une vidéo, pour un mot par-ci par-là, pour des idées, pour un groupe Facebook, pour une page, pour une pétition. Il y a aussi les idiots utiles qui ne font absolument rien, qui commettent un crime ou qui subissent des malheurs totalement épouvantables, comme la perte d'être cher, et qui se retrouvent soudainement, sans l'avoir demandé, avec une aide providentielle, toujours dans le but d'utiliser leurs histoires à des fins bien définies. Je ne fais aucun parallèle, mais c'est de la même manière qu'on procède pour utiliser des criminels, comme les cas célèbres des femmes tueuses, de leurs compagnons, qui se retrouvent malgré elles obligés de se faire utiliser médiatiquement afin de sauver leur peau. Bien entendu, à des échelles différentes, nous avons pour finir le cas du terrorisme. Ces esprits fragiles sont ciblés, encouragés, tentés, orientés, montés, aidés, d'une certaine manière contrôlés par la puissance de l'argent et du pouvoir sans limite des services et des sociétés secrètes, afin que ces idiots utiles commettent leurs actes ou du moins profèrent des menaces afin d'alimenter continuellement les doctrines politiques du moment et les projets obscurs qu'on ne comprend malheureusement que des décennies plus tard, bien trop tard, une fois que le mal a été fait. Bah, qu'est-ce que je fais? Je vais déposer le bilan puisque j'ai une entreprise. Moi, ma voiture, elle a 12 ans, là. Elle fonctionne très bien. Mais comme je ne l'envoie plus faire les vidanges dans un garage, automatiquement, le voyant reste allumé comme quoi je dois aller au garage. C'est voilà. Parce qu'en France, on est riche, on peut se permettre de mettre toutes les voitures à la poubelle. Parce que le gouvernement l'a décidé. Moi, ma voiture, elle a 12 ans, là. Elle fonctionne très bien. Mais comme je ne l'envoie plus faire les vidanges dans un garage, automatiquement, le voyant reste allumé comme quoi je dois aller au garage.
pour l'entretien parce qu'elles sont truffées de voyants. Donc maintenant, on est tous, on est pris au piège en fait. Et donc, ben, je sais qu'elle ne passera pas le contrôle puisqu'il va falloir enlever ce voyant. Donc il va falloir que je l'envoie au garage, que je donne 200 ou 300 euros avant d'aller au contrôle. Quand j'aurai passé le contrôle, ils vont encore me dire qu'il y a un autre truc qui ne va pas parce qu'ils trouvent toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je me repérerai une autre facture de 300 euros. Mais comment on va pouvoir payer tout ça ? Petite Polo de 6 ans chez lui. Eh bien, cette petite Polo de 6 ans, j'estime pas que c'est une voiture à mettre à la casse. Ouais. Eh bien, elle allait partir à la casse parce qu'elle a un voyant qui restait allumé. Il ne trouvait pas d'où ça venait. Donc, on met à la poubelle. Aujourd'hui, on apprend qu'ils vont taxer les tickets resto. Ouais. On apprend qu'ils vont taxer... Enfin, là, c'est les mairies qui ont réfléchi à taxer les colis qu'on reçoit à la maison. Ben, qu'est-ce que je fais ? Je vais déposer le bilan puisque j'ai une entreprise. N'oubliez jamais que chacun prêche pour sa paroisse. Ce qui compte, c'est l'intérêt commun. Et comme l'intérêt de Jacqueline Moureau, c'est de faire 200 km par jour pour ses besoins professionnels, pour faire tourner sa propre entreprise, comme l'intérêt des patrons de routiers, et même des artisans et auto-entrepreneurs, de diminuer leurs coûts routiers, d'avancer plus vite que les radars, cela, il faut l'admettre, n'est pas notre intérêt commun. On montre du doigt les citadins, mais rares sont les personnes en ville, qui prennent métro, bus, tramway, train, pour faire 200 km par jour. Nous ne pouvons pas imaginer un monde où nous serions tous sur la route, avec toutes les déclinaisons possibles, auto-entrepreneur, de Uber en passant par le transport des personnes, à la livraison de colis, de plats cuisinés et de toute la variation d'idées autour du transport. Être toujours dans l'infini n'est absolument pas possible dans un monde fini. On a quand même appris aujourd'hui que 78% des Français sont d'accord avec le mouvement du 17 novembre. 78%, mais c'est énorme. C'est extraordinaire. Il y a 78% de Français qui sont mécontents dans ce pays et on ne les entend pas. Là-haut, c'est la sourde oreille. Hein? Ils font comme si, mais laissez le petit peuple et puis laissez-le, il faut qu'il gueule un petit peu, puis de toute façon, on l'écrasera. Mais non, c'est fini ça. C'est fini. Moi, je peux vous dire que des témoignages de gendarmes, j'en ai eu. Parce que j'ai reçu des milliers de témoignages et il y a des trucs quand je les lis, mais c'est effarant, c'est effarant. Mais comment les hommes politiques n'ont-ils pas honte de ce qu'ils ont fait ? Là, la semaine dernière, non, la semaine dernière, il y a deux jours, je crois que c'est le 31, ouais. Hein, c'était avant-hier. On a viré une enseignante retraitée de chez elle, d'un HLM, parce qu'elle n'arrivait pas à payer son chauffage. Ils l'ont mise dehors, et ça c'est à Vannes. Alors j'aimerais que... S'il y a des élus de Vannes qui m'entendent, mais honte à vous, ou alors bougez-vous le cul, allez chercher cette femme que vous avez laissée dans l'entrée d'un immeuble avec ses chats. Une femme qui a travaillé toute sa vie, qui a une retraite de 880 euros, et vous la laissez mourir comme un chien. Cette politique du témoignage à outrance, qui peut s'étendre à des témoins ayant entendu des témoins à non plus finir, est notre mal moderne. Plus personne ne réclame de preuves. Toutes les statistiques, toutes les études, tous les témoignages, tous les avis de chroniqueurs, de politiques, se basent malheureusement sur la complainte. On essaie de faire oublier, y compris dans le domaine scientifique, que l'être humain est le meilleur des manipulateurs. Que l'être humain survit par la recherche première de son intérêt. Qu'il faut des règles pour l'en empêcher. Nous essayons par des lois humaines de fabriquer des droits inexistants. Goebbels, le chef de la propagande allemande, nazi, disait « Plus le mensonge est gros, et plus il passe. Personnellement, j'aurais eu de tels témoignages, je ne les aurais pas propagés. » comme le fait Jacqueline Moureau. Elle est manifestement manipulée. Comment peut-on croire qu'une enseignante qui a travaillé toute sa vie touche moins de retraite que tous les enseignants de ce pays, comme le prétend le témoignage du témoin de Jacqueline Moureau, à savoir 880 euros. Son chauffage, ils l'ont mise dehors, et ça c'est à Vannes. Alors j'aimerais que, s'il y a des élus de Vannes qui m'entendent, mais honte à vous! Ou alors bougez-vous le cul, allez chercher cette femme que vous avez laissée dans l'entrée d'un immeuble avec ses chats. Une femme qui a travaillé toute sa vie, qui a une retraite de 880 euros et vous la laissez mourir comme un chien. Mais c'est pas normal, d'autant qu'on parle de solidarité, on accueille des migrants, on s'en occupe. Pourquoi ils s'occuperaient pas de cette dame? C'est pas possible. Sur le 17, je pense que c'est comme ça. Voilà, bah, je pense que quand même quelqu'un a dû décider de cette date. Ce n'est pas moi, en tous les cas. J'étais même pas au courant qu'il y avait un truc de prévu le 17 novembre. Moi, aujourd'hui, j'ai fait plus de 200 km en voiture pour aller travailler. Donc c'est normal, ils sont en train de défendre leur beefsteak, là. Moi, aujourd'hui, j'ai fait plus de 200 km en voiture pour aller travailler. Bah, qu'est-ce que je fais? Je vais déposer le bilan puisque j'ai une entreprise. Donc, voilà, mais bien sûr, et
Il y a combien de voitures? Moi, ma voiture, elle a 12 ans, là. Elle fonctionne très bien. Mais comme je ne l'envoie plus faire les vidanges dans un garage, automatiquement, le voyant reste allumé comme quoi je dois aller au garage. Donc, c'est normal. Ils sont en train de défendre leur beefsteak, là. Ben, qu'est-ce que je fais? Je vais déposer le bilan puisque j'ai une entreprise. Donc, mais on a quand même appris aujourd'hui que 78% des Français sont d'accord avec le mouvement du 17 novembre. 78%. Mais c'est pas normal, d'autant qu'on parle de solidarité, on accueille des migrants, on s'en occupe. Pourquoi ils s'occuperaient pas de cette dame? C'est pas possible. Bah qu'est-ce que je fais? Je vais déposer le bilan puisque j'ai une entreprise. Donc c'est normal, ils sont en train de défendre leur beefsteak là. Vos ambulances, les gars! Montez dans vos ambulances! Montez dans vos ambulances! Oh! Oh! Oh, qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu fais quoi? Oh, t'es une queue! Oh! Elle laisse-le rentrer! Elle laisse-le! Elle vous casse le véhicule là! On va passer de l'autre côté, on va discuter. Oh! Regardez ce qu'ils font! Regardez! Elle laisse-le partir! Laissez-le! Laissez-le monter! Regarde ce qu'ils font! Regarde ce qu'ils font! Regardez ce qu'ils font! Mais cassez les véhicules là! Mais faut pas faire ça! Laissez-le monter dans son véhicule, reculez! Reculez! Eh, vous êtes filmé! Vous êtes filmé! Allez-y! Allez-y! Écrasez-moi! Viens, Véro! Voilà, venez les gars, venez avec nous, les gars, venez.